là, ça ramasse l'herbe. Pardon. Ah, c'est des gros andins, hein. Il y a de la quantité cette année en foin. Ah là, oui. Il y a ce qu'il faut. Il y a le bip là, ça veut dire que c'est terminé derrière. Ah oui. Et vous, vous faites un BTS? Ah non, là je finis un master. Un master, ah oui. En quoi? En management et stratégie d'entreprise. Et là, vous travaillez pour, dans l'entreprise de travaux agricoles. Tout à fait. Familiale. Tout à fait, c'est ça. Donc là, les petits bips, ça veut dire qu'ils sont en train d'enrubaner. Non, il est en train de ficeler. Ah oui, d'accord. Faut que j'arrête d'avancer parce que sinon ça va pas. Et donc là, j'appuie sur un bouton, hop, ça l'éjecte derrière. Ouais. Donc moi, je la vois dans mon rétroviseur. Ouais. Elle est bien tombée. Automatiquement, la porte s'ouvre. La botte, l'élévateur emmène la botte sur la table d'enrubanage. Ouais. Après, la porte se ferme. Et donc, vous pouvez ramasser un peu d'herbe là. L'enrubanage commence et moi je peux commencer à refaire une botte. Et ça va ressonner quand l'enrubanage sera fini. Alors, l'idéal c'est de trouver la bonne vitesse pour avancer, pour finir à une botte. À combien? Ah bah ça dépend, on va dire, des andins et puis de... Là on est à 7,5. Là il n'y a plus de papier alors. C'est ça. Faut changer les rouleaux. Donc la botte, elle va pas être faite. Ah, vas-y, on va en remettre par-dessus. Si on remet pas, si on n'en remettait pas, ça coince la machine. Ah bah oui, on peut plus. Et la chaîne, c'est pour l'électrostatique. Tout à fait. Ça pèse lourd, ces rouleaux? Peut-être... Je n'ai aucune idée. Et vous en faites quoi, des vieux rouleaux? Là, c'est pour les engins. Soit en général, les clients les récupèrent. Pour faire quoi? Pour les emmener à la déchetterie, sûrement. Les... Ah ouais? Là, il n'y a plus le droit. Tous les... Ouais. C'est-à-dire, comme on n'a pas où les mettre. On n'a pas où les mettre vite sur la machine. Ah oui? Donc, on est obligé de les... On les laisse dans le champ. Ouais. Ou sinon, on les perd sur la route. Donc les clients, ils les récupèrent. Tout à fait. Sinon, on les récupère sur la route, alors c'est moins... Là, hop. Ah oui, c'est beau ça. Ça coupe. Mais juste, hein, au pied. Bon courage pour la suite. Merci bien. Ouais, tout à l'heure. Tout à l'heure. Et ouais, il faut faire gaffe de ne pas rester coincé avec les automatismes là-dedans, comme les clients là. Ça c'est... Avec l'expérience, on apprend à faire attention. Voilà, bon. Tout à l'heure. Ouais. Si je le perds, je suis avec ma fourche, qu'est-ce qui se passe? L'herbe, elle va pourrir. Ah oui, il y aura des bactéries à se développer. Et donc il ne faut pas faire ça. Du tout. Faut pas qu'il y ait d'air. Faut pas qu'il y ait d'air. Vous me donnez combien si je perce pas? Il me semble que là, santé. Oui, là, ça va être 6 couches. Ouais. À la vôtre.